Oniria est née il y a 4 ans. En fait, ça faisait plusieurs années que je faisais, et je fais toujours d'ailleurs, des rêves, vraiment des rêves d'enfant, très films pour enfants, avec vraiment des aventures où je me bats contre des méchants, où voilà, on voyage dans des univers un petit peu extraordinaires. Et quand je raconte ça le matin à mon mari, il se fiche de moi, il trouve que vraiment, c'est pas possible de faire des rêves comme ça. Et puis il y a 4 ans, voilà, un matin comme cela, je me suis dit, c'est pas possible, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec cet univers du rêve et avec ce monde vraiment à part où il se passe des choses extraordinaires et que je visite très souvent la nuit. Et c'est de cette expérience-là, voilà, qu'est née l'idée de créer un monde des rêves qui est parallèle au nôtre, qui est parallèle au monde terrestre dans lequel nous vivons tous et dans lequel chacun d'entre nous se rend la nuit au cours de ses rêves et où se déroulent tous les rêves et tous les cauchemars que nous faisons, qui donc obéissent en quelque sorte à l'esprit du dormeur tant que le dormeur est en train de rêver et qui ensuite, une fois que le dormeur s'est réveillé, vivent leur vie propre. Donc ça, c'est l'idée de départ, c'est vraiment cet univers des rêves. Et après, à partir de là, j'ai construit une histoire et des personnages. Mon personnage principal, c'est un jeune garçon qui s'appelle Elliot, qui a 12 ans, qui par l'intermédiaire, dans des circonstances familiales pas très sympathique, par l'intermédiaire de sa grand-mère, va découvrir la possibilité de voyager de manière consciente dans ce monde des rêves que nous visitons tous chaque nuit, mais de manière inconsciente. Et alors, dans ce monde des rêves, évidemment, il va y aller à l'origine en espérant trouver une solution pour sortir son père d'une maladie qui dure depuis longtemps et qui promet une fin peu réjouissante. Donc il y va vraiment pour sauver son père. Et évidemment, ça va être plus compliqué que ça. Et il va se retrouver embarqué dans des aventures qu'il dépasse un petit peu. Et dans cet univers qui est à la fois un petit peu fou, enfin, complètement fou, puisque c'est à l'image de nos rêves, donc où on peut passer d'un endroit à un autre en un clin d'œil, où les choses peuvent se transformer, où la logique n'est pas forcément respectée, ni même les lois de la physique parfois. Même le temps s'écoule peut-être d'une manière un petit peu spéciale, où voilà, y a plein d'ingrédients qui viennent de nos rêves et qui fabriquent cet univers-là. Et en même temps, c'est un univers quand même qui a une structure, qui a une cohérence, qui a un fonctionnement qu'Eliott va devoir apprendre à comprendre pour pouvoir s'en sortir et voilà, se débrouiller dans ce monde-là. Et alors la particularité des voyages d'Eliott dans ce monde des rêves, Oniria, c'est qu'il va être à la fois le personnage dans ce monde le plus puissant et le plus faible. Alors je m'explique. Le plus puissant pourquoi ? Parce que grâce au sablier, qui est l'objet magique que sa grand-mère va lui remettre, qui lui permet de voyager à Oniria de manière consciente, il va pouvoir, une fois qu'il est dans ce monde des rêves, créer absolument tout ce qu'il imagine par l'unique pouvoir de son imagination. C'est-à-dire qu'il va fermer les yeux, il va imaginer de manière très précise quelque chose dans sa tête, et cette chose, ou ce personnage, ou même ce lieu, va prendre vie dans le monde onirique. Donc ça, c'est une arme extraordinaire, c'est aussi dangereux, il va falloir qu'il apprenne à la manier, parce qu'évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Ce qui se passe aussi, c'est la particularité du monde des rêves, c'est que toutes les créatures de rêves et de cauchemars qui peuplent le monde des rêves, Oniria, sont des créatures, donc sont créées par des dormeurs, et donc, à l'inverse des habitants du monde terrestre, sont des personnes qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas changer, qui ne naissent pas, qui ne meurent pas. S'ils sont créés à 17 ans, ils ont toujours 17 ans, tout le long de leur existence, et ils ne peuvent pas mourir. Ils peuvent être tués, mais ils vont renaître. Elliott, lui, s'il est tué dans le monde des rêves, il est tué. Et il meurt vraiment. Et dans le monde des rêves, il y a des rêves, mais il y a des cauchemars, il y a des monstres sanguinaires, il y a des bestioles qu'on n'a pas du tout envie de croiser dans la vraie vie. Et à la fois, donc, il est très puissant avec ce pouvoir de création, et à la fois, il est
très très vulnérable, puisqu'il est la seule personne, ou une des seules personnes, on va le découvrir, qui dans ce monde des rêves peut être tuée. Donc c'est un enjeu un petit peu difficile à appréhender pour ce jeune garçon au début. Voilà. C'est le premier tome qui va sortir le 1er octobre. Il y a un deuxième tome qui est déjà écrit, qui devrait sortir en avril 2015. Et il y a deux autres tomes qui sont en gestation, en cours d'écriture, et qui devraient sortir assez rapidement après pour avoir un rythme de parution suffisamment soutenu pour que les lecteurs n'attendent pas trop longtemps la suite. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en paix avec moi-même depuis que j'ai choisi d'écrire. C'est vraiment une activité dans laquelle je m'épanouis beaucoup. Je crois que ça a changé la vie de mon mari aussi, j'en parle beaucoup décidément, mais avant je rentrais du travail fatiguée, je lui parlais de tous les ennuis que j'avais eus, et maintenant je lui raconte mes nouveaux chapitres le soir et trouve que c'est vraiment beaucoup plus sympa. Je suis très très bien dans cette activité-là. Après, c'est une aventure extraordinaire d'avoir envoyé mon petit manuscrit par la poste et puis d'avoir un éditeur Hachette qui m'a appelé pour dire que le manuscrit leur avait plu et qui voilà, l'aventure continue. Ça va sortir, vraiment être physiquement dans les librairies chez Mola en octobre, et ça c'est une grande émotion. Voilà, donc c'est une belle, belle, très très belle aventure.